Ce livre est le résultat d'une enquête financée par la CNAF en réponse à son appel à recherche sur les pratiques professionnelles en maison d'assistante maternelle. Nous avons décidé toutes les trois de répondre à cet appel car il n'y avait pas encore de travail approfondi sur les pratiques professionnelles au sein de ce nouveau mode d'accueil, dont la naissance officielle remonte à 2010. Et nous étions vraiment curieuses de découvrir cette nouvelle modalité d'accueil qui se situe à la croisée au croisement de l'accueil individuel et collectif par des assistantes maternelles et d'un accueil donc en petit collectif. Et en outre, cette recherche s'inscrivait parfaitement dans nos travaux sur l'accueil et l'éducation des jeunes enfants que nous menons au sein du laboratoire Experis, que ce soit en crèche, en école maternelle, en jardin d'enfants ou plus récemment, par exemple, en halte garderie. Alors, comme la demande initiale était de travailler à la fois en milieu urbain et en milieu rural, nous avons été particulièrement attentives à la très forte diversité des mâmes. Par exemple, selon leur nombre d'assistantes maternelles, deux, trois ou quatre, leur ancienneté aussi, mais aussi le contexte local des mâmes, les rapports avec les services petite enfance dans les communes, les communautés de communes. Et au total, donc, nous dressons le portrait de sept mâmes. Il ne s'agit ici évidemment pas d'un échantillon représentatif, mais d'une série de mâmes très contrastées situées dans quatre départements métropolitains. Pour analyser en détail les pratiques professionnelles, notre enquête a d'une part observé le travail quotidien au sein de ces sept mâmes, avec et sans les enfants. Et d'autre part, nous avons réalisé des entretiens avec chacune de leurs assistantes maternelles. Nous les remercions ici vivement de l'intérêt qu'elles ont porté pour notre étude et de leur participation. En outre, nous avons également effectué des entretiens avec des parents et les acteurs locaux. Quelle est l'originalité de notre approche? Notre approche permet de mettre en valeur la forte diversité des mâmes. Il n'y a pas un seul modèle de mâme, mais de multiples possibilités de créer et de faire fonctionner une mâme. Par exemple, avec ou sans référence, avec ou sans soutien d'une commune. Chaque mâme est unique, comme son ancrage territorial et ses relations avec des partenariats institutionnels. L'enjeu n'est pas de définir ici, dans ce livre, des bonnes pratiques qui vaudraient partout et tout le temps, mais de montrer différentes dynamiques de travail collectif entre assistantes maternelles et avec les enfants et les parents, y compris des tensions qui peuvent surgir dans le travail collectif. Nous avons aussi tenu à souligner la forte diversité des assistantes maternelles qui travaillent en MAM. Des assistantes maternelles, par exemple, qui travaillaient à domicile auparavant, mais aussi des professionnels du monde de la petite enfance, comme les éducatrices de jeunes enfants, ou encore des femmes en reconversion ou en insertion professionnelle. Chaque équipe est singulière. En l'absence d'une direction statutaire, chaque MAM doit apprendre à développer ses propres modalités de coordination et de coopération. C'est le fruit de multiples apprentissages où il ne faut pas craindre les désaccords, mais au contraire, les utiliser comme des leviers constructifs de transformation, y compris en étant accompagné. Alors, la parution de ce livre s'inscrit dans une forte dynamique de création des maisons d'assistantes maternelles en France et des créations donc, qui répondent à des enjeux tout à fait d'actualité. D'une part, on regarde du recul de l'accueil des enfants au domicile des centres maternels ou encore au déclin des crèches familiales. Et d'autre part, de déficit de l'offre d'accueil et d'éducation des jeunes enfants avec de fortes inégalités territoriales. Il veut offrir, cet ouvrage veut offrir aussi bien aux professionnels qu'aux acteurs locaux, aux formateurs, on pourrait ajouter aussi aux parents curieux, un regard de l'intérieur des maisons d'assistantes maternelles pour accompagner leur développement en s'appuyant sur les singularités, pardon, de leur pratique. Merci de votre attention et très bonne lecture. À bientôt.